First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 4 septembre. Donc j'ouvre la vidéo de mes achats et informations du mois de septembre. Du coup je commence par cette vidéo. Alors dans ma story j'ai dit que c'était la perruque de Kyron, mais ça se trouve c'est mes fossiles blancs d'eBay, voilà. Alors que la perruque de Kyron je l'ai achetée sur AliExpress. Du coup je pense que je me suis trompée, c'est peut-être les fossiles et pas la perruque. C'est des fossiles blancs, c'est pas la perruque. Alors ils sont de super bonne qualité, j'en ai pris 4. Donc je vais vous faire un close-up de près, enfin plutôt me rapprocher de près. Donc voilà, alors les fossiles, il y en a quelques-uns qui vont avoir des fossiles blancs. Donc notamment Kyron, Irina, Lilia et Connor. Voilà. Donc là je vais en mettre à Kyron, je suis motivée. Si j'ai la motivation je ferai du coup Lilia et Irina. Et Connor, de toute façon je ne l'ai pas encore reçu par Topaz Création. D'ailleurs l'information que je peux vous faire également dans cette vidéo, c'est que donc Topaz Création a quasiment fini de faire Connor. Mon Taeyang, elle doit juste me faire deux modifications qui j'espère seront faisables. Et normalement ça devrait être bon. Déjà sans compter les modifications, il est juste trop beau. J'ai ses yeux à la maison, j'ai maintenant ses fossiles à la maison. Et plus tard je lui achèterai un Obitsu. Donc du coup au début de ma vidéo là que j'ai commencé, j'ai dit que je devais recevoir une perruque blanche d'AliExpress. C'est en fait une perruque fure blanche assez courte. Donc soit elle ira à Kyron, soit elle ira à Connor. Donc si la perruque ne va pas à Kyron qui est juste ici, mon bébé, mon tang FC par Ariana, la perruque ira du coup sur Connor, voilà. Donc il ne me restera plus qu'à acheter sa perruque à Connor et son Obitsu. Voilà pour aujourd'hui. Coucou tout le monde, nous sommes le mardi 14 septembre et j'ai reçu une enveloppe. Donc dedans ce sont des yeux verts que j'ai acheté une deuxième sur Insta, qui sont des yeux AliExpress en 12 mm. Donc dans un premier temps je voulais les essayer sur ma pulipe Alice du Jardin Pink version, auquel je lui ai mis des yeux faits par moi, mais je veux vraiment des yeux réalistes pour elle et pas des yeux comme je fais moi tout simplement. Après, quelques temps après, très rapidement, je voulais des bleus. Je vais quand même lui essayer les verts même si je voulais tout compte fait du bleu. Là, ils sont sympas, il y a une touche de blanc et de jaune, très léger. Les voici. Donc voilà pour cet achat que j'ai reçu aujourd'hui. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 20 septembre et j'ai reçu deux trucs. Alors il y en a un, il me dit quelque chose. C'est la perruque rouge qui provient de chez Lutz, que j'ai acheté à Secret Doll sur Insta. Et c'est la perruque de Rikuto. J'espère qu'elle sera sa définitive. Je vous explique l'histoire. Poison Girl, elle a créé Rikuto. Elle lui a fait un rouge tomate. Et en fait du coup la perruque que j'avais choisie, bah elle était rouge tomate. Sauf que il est jumeau de Romagie, qui elle a un maquillage rouge bordeaux. Donc je cherche désespérément une perruque rouge bordeaux, du même rouge bordeaux que la perruque de Romagie. Parce que sur Lutz des fois vous vous dites ah c'est les mêmes rouges bordeaux, et en fait non, il y a une différence de démarcation de couleur. Et celle-ci elle vient également de Lutz comme la perruque de Romagie, c'est un rouge bordeaux. Et j'espère qu'elle sera la définitive de Rikuto, parce que c'est exactement celle-ci pour laquelle j'avais craqué pour qu'elle soit la perruque de Rikuto. Je l'ai payé 25€ plus 5€ de frais de port, donc un total de 30€. Donc voilà, très bien protégé. Oui, il m'avait dit qu'il m'avait mis un petit dessin. Oh, c'est trop... Oh, merci pour ton achat, You Idols, William. Et il m'a dessiné Rikuto. Oh, c'est trop mignon, merci. Trop mignon. Les cadeaux, ça fait toujours plaisir. Donc la perruque, je vais l'essayer tout à l'heure parce que bah, je suis en train de me faire à manger d'ailleurs. Vous inquiétez pas, ça va pas cramer dans mon dos. Alors, je crois que c'est le même rouge que Romagie. Je crois. Très bien emballé, hein, par contre. Très jolie, très belle. Ouais, je regarde de loin, je crois que c'est le même rouge. Ou peut-être que celle de Romagie est légèrement plus foncée, mais... Bon bah voilà, c'est une perruque rouge foncé, rouge bordeaux, elle paraît assez claire en caméra. Donc voilà pour ça, je l'essayerai tout à l'heure comme je vous l'ai dit.
Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. Mais alors là, j'essaie même pas de deviner ce que c'est. Parce que ça ne me dit rien. Ça bouge. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai pu acheter? Ouais, l'emballage me dit rien. Après, ça peut être un emballage quelconque, hein, mais ça me dit rien. Ah, c'est la fameuse perruque fure d'AliExpress. Avec des petits cadeaux, une fausse sucette en forme de Mickey, un skate. Ah, c'est vraiment sympa les cadeaux. Ah, ok, c'est ma perruque fure. Bah, du coup, et en plus, comme j'ai reçu Connor aujourd'hui, ma FC par Topaz Création, vous aurez son déballage largement avant cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Eh bien, la perruque, elle ira à Connor. Elle est belle. Mais est-ce qu'elle est de bonne qualité? Et de la coupe que je veux. Alors, elle est particulière. Je sais pas si je vais aimer. Elle est vachement particulière. Après, elle est conforme aux photos. C'est juste moi qui viens de me rendre compte qu'elle est assez chelou. Mais je vais l'essayer tout à l'heure. Donc, voilà. En tout cas, voilà pour les deux achats que j'ai reçus aujourd'hui.